Et voilà. Bonjour à tous, moi c'est Florian Bertrand, je suis Customer Success Manager chez Captain Wallet depuis 2 ans et demi maintenant. Mon rôle en tant que CSM, c'est l'accompagnement client. L'accompagnement client, c'est quoi? C'est de prendre en charge tous les nouveaux comptes à partir de la signature réalisée par SAGE jusqu'à la mise en place effective de la solution sur le wallet. Le métier de CSM chez Captain Wallet, c'est essentiel, c'est au cœur de notre stratégie et c'est important puisqu'on va intervenir sur la partie technique, sur la partie marketing, donc avec différents acteurs. Et mon but en tant que CSM, c'est de faire en sorte que toutes les campagnes qui vont être dupliquées sur le wallet, donc sur le téléphone des clients, aient un impact immédiat sur le chiffre d'affaires. Ce que j'apprécie vraiment beaucoup même en tant que CSM, c'est la proximité avec nos clients. On est sur un relationnel qui est très fort. On construit un partenariat avec nos clients sur le long terme. Et cette proximité nous permet d'avoir des liens forts et de pouvoir se positionner en tant qu'expert client. Et on est surtout là pour les accompagner. L'un des projets dont je suis le plus fier chez Captain Wallet en tant que CSM, c'est pour une célèbre marque de prêt-à-porter qui est spécialisée dans la mode pour les enfants. On a entrepris il y a quelques mois une refonte du CTA Wallet. Ce CTA Wallet, c'est ce petit bouton qu'on va intégrer dans des emails pour que l'utilisateur puisse installer sa carte sur son téléphone. On a donc entrepris une refonte globale, on a retravaillé le design, on a ajouté un petit peu de graphique et surtout, on a ajouté un niveau de personnalisation supplémentaire de sorte que le client, lorsqu'il installe sa carte, il va retrouver un petit peu plus d'informations liées à son programme de fidélité. Et au final, ces améliorations, ça a été un succès pour Captain Wallet, certes, mais surtout pour le client, puisque ça lui a permis assez rapidement de quasiment doubler son parc Optin Wallet et de pouvoir, de fait, mesurer l'impact du wallet en termes de ROI pour ses boutiques ou pour son site internet.